Après 11 mois de compétition, eh bien course pour ballon d'or prend fin. Kounya, c'est le moment pour désigner joueur football qui était plus performant sous saison 1. Selon critères qui établi pour ça et puis selon votre journaliste et entraîneur tout partout dans le monde là. Dans vidéo ça, brasser boule pote pour classement 10 joueurs nous pensons qui était plus performant sous saison 1. Red branché pour détail, n'a pas venir dans un petit moment. Gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans la vidéo journée aujourd'hui. Ballon d'or, c'est un trophée qui a été créé dans l'année 1956 par un journal magazine qui est le France Football. Au début, Ballon d'or, c'était seulement pour joueurs qui ont une nationalité et un pays en Europe. Mais après 39 années, soit dans l'année 1995, il a été ouvert à tout joueur, quelle que soit la nationalité, il a gagné, mais il faut qu'il ait évolué en Europe. Finalement, arrivé 2007, il a été ouvert net pour quel que soit joueur dans le monde. Là, même s'il n'a pas joué en Europe, il a remporté Ballon d'or. Le premier joueur qui a pris Ballon d'or dans l'histoire, c'était un Anglais dans l'année 1956 qui a joué dans Blackpool Football Club, dans le lycée Stanley Matthews. Le dernier joueur qui a remporté le lan, c'est Karim Benzema qui a joué en temps équipe Real Madrid la saison qui s'est passée. Avant nous voir top 10 joueurs, nous pensons qu'il a dû classer dans la liste Ballon d'or la saison. Sa, faut que nous connaissions que France Football passe font passer main dans critère. Kounyea, c'est performance individuelle joueur qui est critère numéro 1. Après ça, ou jeune performance collective tant que trophée li remporté avec équipe respective. En troisième position, nous jouons critère qui gagne avoir classe joueur et puis fair play joueur. Sans nous pas prendre plus de temps, mais top joueur nous pensons qu'il a supposé faire liste Ballon d'or à Nissa. En 10e position, nous gagnons Julian Alvarez. Julian Alvarez qui était sur une très bonne saison avec l'équipe Manchester City qui marquait 23 goals qui bat 6 passes décisives, qui remporte une Coupe du Monde, une Ligue des Champions, une FA Cup et une Premier League. Eh bien, Julian Alvarez qui était sur un triplé historique et le Vinito, un rare joueur qui remporte Coupe du Monde et qui remporte Ligue des Champions sous même année. Et Julian Alvarez était un joueur qui a sauté sous banc, qui marque tout goal ça, nous pensons que l'État s'y posé et dans top joueur nous baillou. En 9e position, nous jouons Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui marque 36 goals, qui bat 11 passes décisives, qui finit meilleur buteur Liga, qui remporte Liga et puis qui prend Super Coupe d'Espagne, qui pas joué une grosse saison avec l'équipe Barcelone en Europe, parce que Barcelone pas arrêté sur une très bonne saison en Europe, mais dans Liga, Robert Lewandowski joue une très bonne saison et Barcelone remporte Liga. Nous pensons que Robert Lewandowski est supposé en 9e position. En 8e position, nous jouons un Nigérien qui c'est Victor Osimhen. Victor Osimhen qui marque 33 goals, qui bat 5 passes décisives et qui remporte le championnat d'Italie avec l'équipe Napoli. Eh bien, depuis 33 ans, il n'a pas jamais remporté et Serie A. Eh bien, Victor Osimhen là, veut entrer dans un sec très fermé dans la liste de joueurs qui bat Naples et Serie A ça, après 33 ans qu'il n'a pas jamais pris. Eh bien, Victor Osimhen là, après été dans les annales en tant qu'équipe napolitaine. En 7e position, nous jouons Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan allemand qui marque 13 goals, qui bat 7 passes décisives, qui remporte Ligue des Champions, Premier League, FA Cup avec l'équipe Manchester City. Eh bien, Ilkay Gundogan, c'était joué un rôle important dans le dispositif équipe Guardiola. Eh bien, monsieur qui était marqué un doublé face équipe Manchester United dans la finale FA Cup, eh bien, monsieur là, qui joue une très bonne saison avec l'équipe Sky Blues. Là. En 6e position, nous jouons un pilier milieu de terrain équipe l'Espagne. On a parlé de Rodri. Rodri qui marque 4 goals, qui bat 7 passes décisives, qui remporte la Ligue des Champions, Premier League, qui remporte la Ligue des Nations et qui remporte la FA Cup. Qui fit qui tout meilleur joueur Ligue des Nations, meilleur joueur finale Ligue des Champions. Nous pensons que Rodri là, monsieur Vini, il a un plus bon milieu de terrain qui est capable de gagner sous circuit. Et nous pensons que monsieur mérite place en temps. Top 10 ça. En 5e position, nous jouons Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui marque 10 goals, qui bat 32 passes décisives et qui remporte la Ligue des Champions, Premier League et FA Cup avec l'équipe Manchester City. Eh bien, là, on joue 32 passes décisives sur une saison. Ce n'est pas une mince affaire. Kevin De Bruyne là, qui marque 10 goals, qui bat 32 passes décisives, nous pensons que monsieur mérite 5e place que nous balions. Eh bien, en 4e position, c'est joueur brésilien qui c'est Vinicius Junior. Monsieur qui marque 25 goals, qui bat 26 passes décisives, qui remporte Copa del Rey avec l'équipe Real Madrid, qui remporte Coupe du Monde des clubs et qui remporte Super Coupe de l'UFA. Eh bien,
Vinicius Junior, après tout acte raciste que monsieur subi en dans Liga, nous pensons que monsieur était sur une très bonne saison et c'est véritable faire de lance et équipe Real Madrid là. Monsieur, nous pensons dans année qui vient qui capable pire dans top 10 là. Maintenant en attendant nous mettons monsieur en 4e position. En 3e position, nous jouons un natif bondien qui c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui était sur une très bonne saison sur le plan individuel avec l'équipe Paris Saint-Germain, mais sur le plan collectif, Paris Saint-Germain n'a pas réglé trop de bagailles. Sous saison, Paris Saint-Germain éliminé dans 8e de finale de la Ligue des Champions, mais Mbappé était sur une très bonne saison. Et Mbappé marqué 55 goals, il a fait 14 passes décisives et qui remporte la Ligue 1 et qui souligne la Coupe du Monde. Là, pendant le match, il a triplé dans la finale. Mbappé là qui remporte sous les dollars en Coupe du Monde, nous passons Mbappé et mérite 3e place. Nous passons dans l'année qui vient, capable de remporter le ballon d'or, mais pour le moment, Kylian Mbappé là en 3e position. En 2e position, nous avons un cyborg norvégien qui c'est Erling Haaland. Erling Haaland qui marque 56 goals, qui bat 9 passes décisives, qui remporte la Ligue des Champions, qui remporte la Première Ligue, qui remporte la FA Cup. C'est juste ça. Haaland presque bat tout record qui existait. Et bien, Haaland là, qui joue une très grosse saison sur le plan individuel et collectif, mais qui, bien que monsieur sel bémol, monsieur pas marqué dans la finale Ligue des Champions, monsieur pas marqué en demi-finale contre l'équipe Real Madrid, c'est ça nous capable de dire que Haaland pas fait, mais après ça, Haaland fait tout, presque tout bagaille qui était capable de gagner sous saison et qui marque 36 goals dans la Première Ligue, qui sont records. Nous pensons que Haaland était capable de toujours remporter le ballon d'or, ou du moins toujours terminer dans le top nous en première position, mais bémol ça, nous sommes évoqués. Qui fait que Haaland n'a pas nous pas mettre en première position, nous mettait lui en 2e position. En première position, c'est Lionel Andrés Messi Coutinho qui marque 39 goals, qui bat 25 passes décisives et qui remporte Coupe du Monde pendant le fini meilleur joueur, qui remporte Ligue 1 et qui remporte Trophée des Champions avec l'équipe Paris Saint-Germain. Eh bien, Lionel Messi était sur une très grosse saison, bien que deuxième partie saison, Messi pas trop brillant avec l'équipe parisienne, non? Mais première partie saison, Messi joue en saison et première partie saison phénoménale et qui remporte Coupe du Monde. Ça, son bagage, personne pas de penser. Lionel Messi qui gagne 35 ans, qui saute fête 36 ans, le 24 juin qui saute passé, qui remporte mondial. Ça, personne pas de penser. Ça, son bagage, personne pas d'imaginer. Là, nous connaissons que qui boude et l'équipe Argentine n'a fait contre l'équipe Arabie Saoudite. Et bien, Messi t'es pas allé dans la presse, il t'es dit comme ça que nous mettrions tant, nous pas besoin trois inquiets, équipe là venir. Et bien, Messi t'es prêt. Et équipe Argentine dans Soudoli et puis qui était bail équipe Argentine dans mondial ça et nous pas oublier gros travail il fait dans finale là l'elle marqué un doublé et qui bail Argentine et avantage score à 2 reprises son bagage à féliciter pour Lionel Andrés Messi Coutinho puis Argentine et nous penser que c'est pas pour la première fois un joueur capable évoluer en dehors de Europlan dans championnat MLS là qui capable remporter ballon d'or là et n'a très content. Et son bagage phénoménal n'a pas dit et n'a pas battu un grand bravo pour Messi s'il est arrivé remporter ballon d'or là. Eh bien il y a liste 30 nominés pour ballon d'or le 6 septembre et il y a bail ballon d'or là le 30 octobre. Eh bien n'a pas été temps qui est-ce qui va remporter grand prix ça et qui c'est ballon d'or là. Moment arrivé pour nous congé de ou n'a dit merci parce que tu es resté dans fin vidéo hein. Partagez channel là pour plus monde kawel, abonnez à channel là pour nous pour faire ça, quittez un like, un commentaire, dis nous qui est sous ta mettez, qui est sous ta retiré, qui est ou pensez que qui pas mérité et place nous bali hein. Et puis na va faire nous connaître dans commentaire là, n'a très content garder commentaire yo. Mais n'a dit ciao, on a pour encore dans une prochaine vidéo.